Tournez à gauche sur rue de l'Alma. Puis tournez à droite sur rue Jean-Pierre Timbaud. Oh là là. Tranquille. Tournez à droite sur rue Jean-Pierre Timbaud. Puis tournez à gauche sur rue de Vizien. Ok, je suis presque arrivé. Tournez à gauche sur rue de Vizien. C'est Paris qui est doux à l'heure là. Dans 100 mètres. Vous arriverez sur 18 rue de Vizien, Courbevoie, Hauts-de-Seine. Votre destination sera sur votre gauche. Bien. Juste le temps de garer et on est ensemble. En France, pour garer, c'est pas facile, hein? Ah ouais. Tranquille. Bien garé et on ensemble. Ok, parfait. On applaudit pour le beauté. Ah là 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 là. Tranquillement, tranquille. Bien garé, pile poil. Ah non, quand tu sais conduire, maman. Le goût de ça, maman. Quand tu sais conduire et que tu as le permis français, maman. Le goût de ça. Voilà. Attendez. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que la Lolo Gang se porte bien. Tranquillement, tranquille. Ouais, attendez. Je suis arrivée chez moi. Bisous, 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 bisous. On dit quoi, la famille? Je veux savoir, ça te prend combien de temps pour dessiner tes sourcils? Une seconde. Je suis Lolo Beauté. La go crayon. Tranquillement, tranquille. Il n'y a pas deux. Vous savez, les amis de Lolo Beauté, désolé si ces deux jours-là, je vous ai fait faux bond. C'est parce que je travaille. Tranquillement, tranquille. Tu sais, quand tu arrives à un moment donné de ta vie, que tu sais ce que tu veux et que tu essayes d'atteindre tes objectifs, ne regarde pas en arrière. Regarde toujours devant toi. Avance sereinement. Je donne toujours des conseils à mes jeunes sœurs. Je dis, moi Lolo Beauté, je ne vends pas des illusions, maman. Je suis ce que je suis. Aujourd'hui, en plein confinement, c'est ni Kramba. Tranquille. J'ai une entreprise ici en France que je dois faire tourner. Donc, excusez-moi si je ne rentre pas dans les... Voilà, tu sais, je vais vous donner, je vais vous booster un peu. Ça fait 2 ans que je suis ici en France. Ça fait 2 ans que je suis ici en France. Je ne me vante pas parce que je n'ai aucune vie à vanter. Mais je donne du courage à mes jeunes sœurs. Pour te dire que si tu arrives en Europe, tu n'es pas obligé de copier certaines personnes. Il faut te donner un objectif. Il faut te donner une ligne de conduite. Il faut te donner une vision des choses. Tranquillement.
Ça fait 2 ans que je suis en France. Oui, je vis dans ma maison, tranquillement. J'ai chauffé un peu le cœur des cancrancerais. Tu sais, quand tu es en France et qu'un contrat de bail porte ton nom, tu es à l'aise. Surtout que tu as une société et que tu as une belle voiture. Quoi d'autre plus qu'il faut demander? Tranquillement, tranquille. Donc, mes jeunes sœurs, pour vous dire qu'au stade où Lolo Beauté est arrivé, je suis une femme de vision. Je travaille, je n'ai pas le temps. Et c'est ainsi que je veux voir mes jeunes sœurs booster leur vie, travailler. Vous me voyez, comment on appelle ça, en tant qu'une chef d'entreprise, traîner dans la boue, ou bien chercher qu'est-ce qui se passe, ou bien, voilà, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous savez, ça n'a pas d'importance. Moi, le conseil que je donne aux jeunes filles, c'est de se battre. Tranquille, cadet, je suis dans ma propre voiture. Il n'y a personne, je suis seule. Tranquille. Voilà, je suis seule dans ma voiture. Tranquillement, tranquille. Voilà, je suis seule dans ma voiture. Donc, t'inquiète pas. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude. Tranquille. Voilà. Donc, pour vous dire, mes jeunes sœurs, il faut se battre dans la vie. Moi, on m'a dit que je ne vais jamais réussir. Les gens m'ont dit que tu vas toujours rester derrière. Mes parents ont dit, du côté, pas mon père et ma mère, côté la grande famille, que nous, les Makoso, on est la famille pauvre. Moi, j'ai accepté. Mais tu sais, souvent, quand les personnes te blessent, c'est le moment précis de prendre conscience que la vie, c'est encore devant. Au fait, quand les personnes te blessent, ça doit te servir de leçon. Et puis avoir la rage de réussite et puis avancer. Et puis être sereine dans la vie. Je vous ai fait une promesse en 2020. Je vous ai dit que vous ne verrez plus Lolo Beauté dans les clashs inutiles. J'ai une société à faire tourner. Regardez, actuellement, dans plein confinement, il y a des personnes qui dorment. Parce qu'il n'y a pas de travail, ils dorment. Mais moi, je suis obligée de me lever très tôt le matin, aller faire mes livraisons, aller prendre mes produits, aller poster. Donc, il y a une certaine ligne de conduite, il y a une certaine énergie que je ne dois plus dépenser pour des personnes ou bien pour des choses qui ne sont pas très importantes. Tranquillement, tranquille. Quand moi, je fais une promesse, je tiens cette promesse. Tranquille, il faut avancer dans la vie. Il faut avoir le courage de se battre et puis d'y arriver. Si tu es arrivé ici en Europe, que quelqu'un t'a dit une fois dans ta vie qu'il faut 10 ans pour que tu puisses t'intégrer à l'Europe, faut lui dire, tu n'es pas le Dieu de l'Europe. Tu n'es pas la vision de l'Europe. Tu n'es pas, comment on appelle ça, mon douaou de l'Europe. Tranquillement, tranquille. On est venu en détail. Mais ceux qui ont réussi, c'est des personnes qui ont su savoir, qui ont su comment visualiser leur vie, tranquillement, tranquille. Comment organiser leur vie, tranquillement, tranquille. Je ne suis pas venu en Europe pour perdre mon temps. Je ne suis pas venu en Europe pour rentrer dans les clashs inutiles ou bien pour vendre de l'illusion à mes jeunes sœurs. Je vous ai toujours dit, quand une femme est épanouie, c'est une femme qui a tout pour se rendre heureuse. Le mariage n'est pas forcément une fille en soi. Regardez Lolo Beauté, je suis simplement fiancée. Mais je suis épanouie, je suis heureuse. Tranquille. Quand je rentre à Abidjan, j'ai mes voitures. Mais quand je rentre à Paris, j'ai aussi mes voitures. Parce que quand tu as deux, c'était tranquillement tranquille. Une grosse voiture pour mes voyages et une petite voiture pour mes petites courses. Vous ne voyez pas comment la vie évolue tranquillement, tranquille. Vous pensez que où j'ai enlevé mon mot tranquillement, tranquille. Ma soeur, si tu comptes sur un homme, tu vas taper poteau. Si tu comptes sur une soeur, tu vas taper poteau. Si tu comptes sur la richesse de tes parents, tu vas taper poteau. Si tu comptes sur la richesse de ton homme, tu vas taper poteau. Mais je vais te dire une chose ce matin qui va te choquer. Tu es une femme, tu as deux bras, tu as deux pieds. Tu es plus intelligente que toutes les femmes qui réussissent aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre les femmes qui réussissent et les femmes et toi qui es en train de chercher ta voie. Ma soeur, tout est permis dans la vie. Mais pose-toi la question, est-ce que tout est utile?
Moi, il y a des personnes qui prononcent mon nom, qui prononcent mon nom, qui veulent que je rentre en classe chez eux. Mais je m'arrête et puis je demande. Écoute, Lolo Beauté. Vous savez, dans la vie, il faut se parler soi-même. Il faut se parler soi-même. Tu t'assois et puis tu dis, c'est permis. Moi, je fais Niaga des Nations. Et ma bouche est très sale. Mais venir blesser quelqu'un, est-ce que ça serait idéal? Parce que j'ai reconnu que dans la vie, quand tu blesses des personnes, tu n'avances jamais. Tu n'évolues jamais, tu tapes toujours poteau. Tranquillement, tranquille. Il faut avancer selon tes convictions et selon ta voix. Regardez, depuis que j'ai demandé pardon à certaines personnes que j'ai frustrées, vous ne voyez pas comment. Tu sais, dans la vie, tu peux venir te donner un genre. La toile, ceux qui sont sur la toile, ils ne sont pas cons. Tu peux venir te donner un genre. Mais lorsque ta vie est suivie d'une bénédiction, lorsque Dieu est en train de te bénir, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand Dieu est en train de te bénir, tes fans sont les pieds, tes regards disent, ouais, on sent la bénédiction. Mais non, venu sur la toile, moi j'ai ceci. Moi, Lolo Beauté, je suis maman, on a deux avions. Tu n'as pas besoin de te qualifier. Laisse les personnes te qualifier. Maman, on a deux avions, n'est pas venu de moi. C'est venu d'une maman qui a dit, mais attends, Lolo Beauté, mine de rien, chaque mois tu es dans l'avion. Parce que quand j'ai bien calculé un peu ces cinq derniers mois là, chaque mois tu es dans l'avion. J'ai dit, maman, je suis maman, on a deux avions. Parce que je dois faire tourner des entreprises. Je vous dis une chose. L'heure n'est plus au clash. Vous savez, quand quelqu'un a envie de te clasher, qu'il s'en prend aux enfants directement, je vois que cette personne est faible d'esprit. Ne sois pas faible. Vous savez, les enfants que Dieu nous donne, c'est une source de bénédiction. Que tu sois marié ou pas, que tu sois orphelin ou pas, je te dis une chose. Si tu as envie d'être béni, laisse le côté enfant et puis évolue de ta prospérité. Moi, Lolo Beauté, je suis la blogueuse la plus clashée, la plus critiquée, la plus insultée. Mais est-ce que c'est important pour moi de répondre à tout le monde? Laisse tes ennemis voir ton évolution. Laisse tes ennemis eux-mêmes constater que tu es en train d'évoluer, que tu n'es plus dans la classe populaire, mais tu es dans la classe raffinée. Vous savez, la classe, ça ne se dit pas, mais ça se voit. Pour moi, la classe, c'est une femme qui gagne son argent de manière honnête et qui est épanouie de manière radieuse. Regardez Lolo Beauté aujourd'hui. Quand je vais à Abidjan, je suis dans ma propre voiture avec la carte grise à mon nom. Quand je suis en France, voilà ça aujourd'hui. Je suis tranquille en train de faire mes courses. Est-ce que j'ai problème avec quelqu'un? Mais je redis encore mes propos. Si j'ai offensé quelqu'un, ces deux derniers mois ou bien ces deux dernières semaines, sans faire exprès, ma soeur, mon frère, je te demande pardon. Ce n'était pas dans mon but de t'offenser ou bien de te blesser. Ce n'était pas dans mon but. Mon seul but, c'est de booster les jeunes filles à devenir quelqu'un. Et leur dire que ce n'est pas un homme qui va t'enlever de la propre, dans la pauvreté pour te rendre riche. Mais tu deviendras riche lorsque tu comprendras que la vie où on va, la vie où on mène, si je ne me lève pas tôt le matin et je ne détermine pas l'horizon de ma vie, je ne serai zéro. Peut-être que mes propos ont blessé certaines personnes qui se sont, vous savez, moi quand j'ai fait, je n'ai jamais dit le nom de quelqu'un et puis offensé quelqu'un. Si les personnes se sont, tu sais, quand tu te sens offensé, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Sinon, quand tu n'as rien à te reprocher, tu es zen et tranquille dans ta life. Si j'ai offensé quelqu'un par mes propos, voilà, je m'en excuse. Ce n'était pas de mon intention de blesser quelqu'un. J'ai tellement blessé des gens que je ne me vois pas. On m'a dit ces deux temps que oui, Lolo Beauté, il y a, comment s'appelle, il y a Emmanuela qui dit que oui, tu l'as traité de prostituée et autre. Emmanuela, moi je t'aime bien. Tu n'as jamais prostituée. Donc quand tu n'entends pas ça, ne transpire pas. Tu es tellement classe, ne transpire pas trop, sinon tu risques de souiller tes habits. Voilà, ne transpire pas. Voilà, maintenant si mes propos t'ont offensé ou bien t'ont blessé quelque part, on est entre sœurs, excuse-moi. Ce n'était pas de mon intention de te blesser. Je vois des personnes rentrer dans mon inbox. Lolo clash, Lolo insulte, j'ai une sale bouche. Oui, je le sais.
Et quand je lave quelqu'un, je te lave, mais de manière très vulgaire. Parce que de la manière mon compte en banque est rempli est vulgaire. Là. C'est comme ça ma gueule, elle est vulgaire. Oui. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un. Ici en France, j'ai une duplex. Je dors dans ma propre maison. Oui. Je roule ma propre voiture. Je dirige ma propre société. Donc, je ne me vois pas en train de rentrer. Donc, Emmanuela, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si mes propos t'ont blessé, tu es trop classe. Il ne faut pas te rabaisser à ce que les gens rentrent dans les inbox. C'est le buzz. Ça te grandit. Quand quelqu'un parle de toi, que ce soit moi, Lolo Beauté, n'importe qui, je vais te donner un conseil. Ne rentre pas en classe. Suis ta destinée. Chacun a son poteau. Chacun a son level. Voilà. Tu sais, le seul souci que j'ai compris, c'est que les fans, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas intelligents. Je vais vous le dire. Moi, j'ai dépassé ce stade-là. Je suis chef d'entreprise. Donc, je ne me mélange pas au Lolo. Voilà. On dit que Emmanuela, on dit que, oui, telle personne a parlé de toi. Mais, écoutez, arrivé à un moment donné de la vie, il faut grandir. J'ai grandi. Je vous le dis, j'ai grandi. Donc, si mes propos ont blessé quelqu'un, ou bien que ce soit elle ou bien autre personne, je m'en excuse. Mais je le redis et je le dis. La prostitution ne paye pas brique. L'argent mal acquis ne profite jamais. Les femmes qui me suivaient, je n'ai indexé personne et je ne vais pas indexer personne parce que je ne connais pas ta vie. Aïe, c'est ta life, je ne connais pas ta life. Donc je ne peux pas venir sur la toile pour te blesser. Tu es une mère. Moi, je respecte toutes les femmes qui ont poussé un enfant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle femme qui garde une grossesse de 9 mois et qui accouche et qui épanouit. Emmanuela, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si je t'ai offensé, je te présente mes excuses. Grandissons, arrivé à un moment donné. Mais si tu n'as jamais entendu de ma bouche que oui, tu es ceci, tu es cela, ne te fie pas à ce que les gens disent. Ce n'est pas important. Évolue sereinement. Tu es une mère. Je suis une mère. Tu vois, c'est une bénédiction. Quand on rentre en clash, on n'insulte pas les enfants. Que tu as fait ceci. Non, c'est se rabaisser. Quand on est classe, on ne se rabaisse pas aux injures. Surtout pour les enfants. Vous savez, quand tu veux être béni, respecte les enfants. Voilà pourquoi mon Lolo Beauté, j'aime beaucoup faire, comment on appelle ça, des cadeaux aux enfants. Parce que c'est une bénédiction. Je ne me vois pas venir insulter. J'ai fait une erreur dans ma vie, je le dis toujours. J'avais insulté des Ivoiriennes. Je suis venu présenter mes excuses. Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Au contraire, ça m'a fait grandir. J'ai insulté certaines personnes, yaka. J'ai insulté, comment on appelle ça, des personnes, même leur mère. Je suis venu présenter les excuses. Je dis, la personne qui veut se faire un nom sur Lolo Beauté, tu n'auras pas ce nom. Non. Parce que je serai celle-là qui a tellement grandi, qui viendra toujours dire, si j'étais offensée, excuse-moi. Parce que tu es une personne que j'aime depuis des lustres. Depuis que je t'ai vu à la télé. Donc, je ne me vois pas. Tu sais, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, non, ce n'est pas nos quotidiens. Ce n'est pas nos quotidiens. Les réseaux sociaux, voilà, on vient, on parle, on essaie de booster un peu le buzz. Mais, ne rentrons pas dans les bassesses. Voilà, quand on a la classe, il ne faudrait pas qu'on rentre dans les bassesses. Ce n'est pas important. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu m'as fait ceci, je n'ai pas aimé. Tu attends la grandeur de du retour de la personne. La personne doit s'excuser. On est en Europe. Quand tu veux te fondre à la masse européenne, quand tu veux avoir la classe de l'Europe. Mais moi, j'ai une entreprise. Donc, quand je rentre, je me fais un genre. Parce que je veux que le blanc me respecte. Le blanc te respectera lorsque tu sauras te conduire. Et quand tu es en erreur, que la personne, même si tu ne parlais pas de la personne, même si la personne s'est sentie frustrée, même si tu parlais de la personne, viens, tu dis, excuse-moi, excuse-moi. Et puis vous passez à autre chose. Les personnes qui rentrent dans mon inbox, Lolo, faut venir faire ça. Regardez, ça fait trop. Regardez, j'ai des scènes. Vous ne voyez pas les scènes? C'est parce que je bosse dur. Je n'ai pas le temps des clashs, non.
Je bosse dur. Je bosse dur. Et je mange le fruit de mon travail. Maman, je mange le fruit de mon travail. Tranquille. Donc les personnes que j'ai offensées de près ou de loin, je vous demande pardon. Aïe, à qui? Ce n'était pas de mon intention. Mais je viendrai toujours, les jeunes sœurs, vous dire la vérité. Qu'il n'y a rien dans la facilité. Regardez un peu d'où je viens. Vous savez, quand tu viens sur la toile, il faut te démarquer des autres. Quand moi je venais sur la toile, tu étais très vulgaire, très violente. On appelle ça stratégie de marketing. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, maman, regarde le teint de Lolo Beauté. Envie de laver, maman. Pour avoir le teint de Lolo Beauté, maman, tu es assise dans une petite voiture, mais les gens regardent, mais c'est qui passe là? Parce que le teint, il est propre, maman. Tu veux avoir les produits cosmétiques de Lolo Beauté. Il y a deux numéros de bonheur, maman. Le 00337, le 69, le 84, le 1227, le numéro du bonheur. Ah, maman, le teint métisse de ça. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, tu contactes le 00337, le 69, le 84, le 12. Pardon, je donne encore mon numéro. Maman, je suis trop amoureuse de mon numéro. Le numéro de l'Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Pour avoir les produits cosmétiques de Lolo Beauté en Afrique. Maman, tu peux y arriver. Tu peux devenir quelqu'un de grand. Tu peux devenir quelqu'un de sage. Tu peux devenir quelqu'un de posé. Lorsque tu décideras que ma vie ne me plaît pas, je donne le conseil aux femmes et je vous le dirai toujours. L'argent de la prostitution ne paye pas brique. Tu peux y arriver, tu peux devenir quelqu'un. La facilité n'a jamais rien résolu. Tu es une femme de valeur. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu es encore bloqué dans ta vie. C'est parce que tu ne connais pas ta grandeur que tu es encore bloqué au seuil de je commence. Lorsque tu sauras qui tu es, tu sauras comment avancer. Moi, quand je rentre à l'aéroport, il y a des blancs même qui me disent: ah, c'est vous Lolo Beauté. J'ai compris que je suis trop star. Donc de prendre ma vie de star mania, il faut que ça me rapporte de l'argent, maman. Je vois pas me voir toujours. Wow. L'argent n'aime pas le bruit. Mais souvent, l'argent a besoin du bruit pour être boosté. J'ai tellement fait du bruit aujourd'hui. Je suis une femme posée, maman. Je ne manque de rien. Je fais voyager mes employés. Tranquille, maman. Je suis une binguiste et puis je fais revenir les gens de l'Afrique en France en moins de 2 ans, maman. Pourquoi traîner dans la boue? Avançons sereinement. Partagez ce direct, s'il vous plaît. La vie est tellement belle. Donc ne garde pas de rancune. Avance sereinement. Je suis partie de rien. Les gens n'ont pas cru en moi. Je suis partie de rien. Les gens m'ont humiliée dans la vie. Et tu sais, quand les gens t'humilient, ça doit te servir de leçon. Les gens m'ont dit: tu ne seras rien. Les gens m'ont dit: tu es mariée mais tu es pauvre. Vous savez d'où vient ma rage de réussite? Désolée. J'ai beaucoup à donner. J'ai beaucoup à donner. Et les personnes qui se collent à moi sont maudites à réussir. Les personnes qui se collent à moi sont maudites à réussir. Parce que je ne suis que au décollage. Je n'ai pas encore pris l'ampleur dans les ailes, dans les nuages. Je n'ai pas encore pris ça. J'ai tellement envie d'impacter ma génération. Vous savez, souvent pleurer, ça vous fait du bien. Parce que
Une minute, s'il vous plaît. Je pleure de joie. C'est pas de tristesse, je pleure de joie. Parce que je suis contente d'avoir réussi ma vie. Je suis très contente. Je ne pleure pas de tristesse. Je ne vais pas vous rendre triste. Je pleure de joie. Je pleure de joie. Il y a des personnes qui m'ont trahi. Il y a des personnes qui m'ont fait des coups bas. Et il y a des personnes qui m'ont donné des conseils pour me dire, on ne jette jamais du caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. On lance toujours du caillou à un arbre qui a du fruit. Tranquille. Et je ferai de telles enseignes de toujours véhiculer l'expérience que j'ai vécue. Je vous ai dit, j'ai fait 14 ans de mariage légal, d'où j'en tirais 3 enfants de ce mariage-là. Mais je n'étais pas heureuse. Je regardais mes enfants et je les disais, un jour, on va rire. Oh. Ma vie, c'est un témoignage, hein? Je vous le dis. On n'a pas besoin de clash pour se faire entendre. Non, non, non. Ne rentrons pas dans ce genre de bassesse. J'ai regardé mes enfants et je leur ai dit, notre vie va changer un jour. En ce moment précis, je ne savais pas comment ma vie allait changer. Lorsque je leur disais que notre vie allait changer. Le mariage, quand il y a des personnes qui disent, moi je suis mariée, moi ça me fait rire. Parce que j'en connais beaucoup qui sont dans les foyers, qui étaient comme moi dans un foyer, mais qui étaient malheureuses. Je te dis, moi j'étais dans un foyer 14 ans de vie comme une maman, d'où j'étais très malheureuse. C'est-à-dire, je n'étais pas épanouie. J'étais fanée. Si je vous montre mes photos de mon mariage, et si vous me voyez aujourd'hui, on dirait que le jour et la nuit, dès que je suis sortie du mariage, j'ai rajeuni. Il y a une petite étincelle qui est venue dans mes yeux. J'ai dit ça à mes enfants. Que on va réussir. Souvent, il faut le dire à tes enfants. Dis souvent à tes enfants. Tu les regardes et puis tu leur dis, on va réussir. Je ne sais pas encore comment on va réussir. Mais je suis votre mère. C'est-à-dire, quand Dieu te donne l'opportunité de faire des enfants, il ne t'abandonne jamais. Voilà pourquoi je dis, quand on fait des clashs, ne rentrons pas dans les enfants, parce que c'est une source de bénédiction. Je disais à mes enfants, on va réussir. Mais au moment où je les disais, j'étais encore mariée, je n'avais pas encore divorcé. Parce que c'est moi qui ai demandé le divorce, c'est différent. De lorsqu'on te divorce et que lorsque toi, une femme, tu demandes le divorce, c'est carrément c'est différent. Parce que moi, je sais ce que je veux. Je regardais mes enfants, je dis, on va réussir. Je serai quelqu'un de grand. Les gens diront mon nom. Et les gens entendront parler de moi d'une manière ou d'une autre. Mais je vous le dis aujourd'hui, on sortira de cet enfer-là. Je vous en fais la promesse. Souvent, tiens des promesses à tes enfants. Je dis, on sortira, je vous en fais la promesse. Regardez-moi. Dieu n'abandonne jamais une mère qui a mal. Vous savez, moi, je ne viendrai pas vous vendre des illusions pour dire, oui, je suis la grande Lolo beauté. Je fais mes directs parce que j'ai envie d'être naturelle. Quand il faut pleurer de joie. Quand il faut pleurer de tristesse, il faut pleurer de tristesse. Mais aujourd'hui, je suis en train de pleurer de joie. Parce que la promesse que j'ai faite à mes enfants est en train de s'accomplir. Qui est en train de s'accomplir. Parce que je vous le dis, et notez ça aujourd'hui. Tel que vous voyez Lolo beauté, de 2021, je ne serai plus la même encore. Je serai une femme impacteuse qui va impacter la jeune génération. Parce que tout le monde a su comment Lolo beauté a commencé sur les réseaux sociaux. La go, la plus vulgaire, qui faisait ça. Moi, j'ouvrais mes jambes en maillot d'épée.
On appelle ça choquer pour impact. C'est-à-dire choquer pour plaire. J'ai choqué aujourd'hui. Quand tu te réveilles, quand on dit Lolo Beauté, il n'y a pas un Africain qui a dit qu'on n'aime pas Lolo Beauté. J'ai commencé à être violente. Mais aujourd'hui, je suis très douce parce que je vois que crier, insulter ne résout rien. Il faut être posé. Je vous l'ai dit, notez quelque part. J'ai fait une promesse 2020 et je suis une femme qui s'est tenue mes promesses. Et quand je te dis que toi, je te respecte à vie, je te respecterai jusqu'à vie. Mon grand frère Yaka Yaka m'a appelé hier. Peut-être qu'il était étonné de ma réponse. J'ai dit, mon grand frère, je t'ai dit, je t'ai fait la promesse que je ne rentre pas dans clash. Tu es le seul qui prend de mes nouvelles à chaque moment. J'ai dit, je ne rentre pas dans clash. L'humilité précède la gloire. J'ai fait une promesse à mes enfants. Et la promesse est en train de s'accomplir. C'est pas au moment où. Je t'ai dit. En moins d'un mois de confinement, regardez ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, je me demande, est-ce que je le mérite? Regardez un peu. En plein confinement, où il y a des affaires qui sont bloquées de certaines personnes, où il y a certaines personnes qui ne travaillent pas. Et ça, je prends mes enfants témoins. Moi, ma vie, ce sont mes enfants. Moi, quand je fais un enfant, je ne compte pas sur le père. Donc, quand les personnes viennent, ah, tu fais des enfants de pères différents, je vous annonce. J'ai fait un mariage légal. Quand tu as envie de mal parler à quelqu'un, tu trouves des paroles méchantes pour dire, mais moi, aujourd'hui, là où je suis, il n'y a aucune parole qui me touche. On m'a déjà tout dit sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai déjà aussi tout dit. Donc, rien ne me touche. Quand tu ne connais pas tes membres, j'ai fait un premier mariage à l'âge de 18 ans, mariage légal, d'où j'ai fait 3 enfants. Et mes 3 premiers enfants portent le nom de Kamenan, Kamenan, Kamenan. D'où je n'étais pas heureuse, je suis sortie, j'ai demandé le divorce. Donc dans le mariage, je sais ce qu'il y a. J'ai été dotée et j'ai fait des jumelles. En Afrique, c'est la dot qui... Je ne suis pas là pour me justifier, mais pour dire que moi, ma vie, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un témoignage. Et mes enfants sont tellement bénis. En plein confinement, maman. Si je vous dis le chiffre d'affaires que j'ai fait, il y a des personnes qui vont tomber du nu, des nus. Parce que je me demande, j'ai dit, mais attends, Seigneur. Est-ce que c'est une preuve que tu es en train de me faire traverser pour savoir si j'ai vraiment changé? Parce que tu sais, quand tu fais une promesse à Dieu pour dire que je change, il te bénit d'une manière où il veut voir ton arrogance. Mais ne rentre pas dans l'orgueil. Tranquille. J'ai fait un chiffre d'affaires de plus de 20 000 euros en moins de 2 mois. Maman, voilà, mes enfants sont témoins de ce que j'ai dit. Il attendait à ce que je vienne narguer certaines personnes pour dire, ah, je suis maman, la deux avions venus montrer de l'argent comme je le faisais avant. J'ai réussi, mais... Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Moi, mes affaires sont déclarées ici en France. Pour éviter que le noir, les petits papatos, oui, on va aller te dénoncer. Moi, prends mon nom. Je m'appelle Lolo Beauté. C'est le nom de mon entreprise. Va déposer à n'importe quel papato. Ils vont te dire, toutes ces choses sont déclarées et légales. Maman, je connais comment le noir, il est méchant. Je connais comment le noir est prêt à te salir. Comment le noir est prêt à te... J'ai préféré jouer sur la carte de l'honnêteté ici en France. L'homme noir est méchant de nature. En moins de 2 mois où les gens sont enfermés chez eux à la maison, il y a d'autres qui attrapent les têtes. Maman, le Seigneur est en train de me bénir. En train de... Tout mon stock est en train d'être écoulé en moins. C'est-à-dire, moi, quand je regarde des personnes commander des produits, hey, maman, je suis qui pour mériter cette faveur venant de vous? Je suis qui quand je vois des personnes qui m'appellent pour me dire, Lolo, j'ai entendu parler de tes produits. J'en veux. Moi, mes produits sont chers. 250 euros, 300 euros. Mais des femmes ici, dont j'avais insulté et que j'ai demandé pardon, viennent comme ça de gauche à droite. Je veux des produits. Je veux tes produits. Quand je dis il y a rupture, elles me disent, Lolo, on paye, on te fait confiance. Lorsque ta marchandise arrive, tu vas nous poster parce que tu ne peux pas fuir à cause de même 20 000 euros, même 300 euros. Cette confiance-là, est-ce que je la mérite?
Je ne la mérite pas. C'est Dieu qui met l'amour dans le cœur de tout un chacun. Parce que Dieu a vu dans mon cœur était vrai. Que mon cœur était pur. Que je me suis débarrassée de tous mes démons, de tous mes péchés. Et il a vu en moi quelqu'un qui doit bénir. Tu as envie d'être béni. Ma soeur, débarrasse-toi de tout état. Et Dieu va te bénir. Au stade où je suis arrivée, je n'envie aucune femme. Je n'envie aucun homme. Je n'envie personne. Je m'envie moi-même. Parce que je me dis que qu'est-ce que le Seigneur a vu en moi et puis il est en train de me bénir. Mais j'en sais une seule chose. Il veut que à la sortie de cette bénédiction, que je puisse aider d'autres personnes. Et cet agent-là, je suis en train d'écrire quelque part les aides que je vais faire. Arrivant en Afrique, je dois aller tel pays, je dois faire ça. J'enlève son agent, je mets de côté. Je dois aller dans tel pays, faire ça. C'est-à-dire, quand tu donnes, Dieu te bénit. Et moi, ma bénédiction, c'est d'aider les veuves et les orphelins à voir des personnes être heureux, être épanouis. Mon but n'est pas de te frustrer, au moins de t'insulter. Mais souvent, quand j'emploie des mots durs, c'est parce que souvent la tête de certains Africains est tellement têtue qu'il faut les violenter pour que le message passe. Sinon, il n'y a rien de méchant en moi pour dire je vais te blesser et puis te faire du mal. Pourquoi? Quelqu'un qui est toujours en train de rouler voiture, tu ne dois pas faire du mal à quelqu'un parce qu'on est dans un matériel. On ne sait jamais, je touche du bois, quelque chose t'arrive, ce n'est pas bon. On sait que nous tous, nous allons mourir, mais il faut mourir de manière bien. Je suis tout le temps d'avion. Je vais continuer à faire du mal combien de fois? Ma soeur, il faut réfléchir à tes enfants. Arriver à un moment donné, quand tu as des enfants, il faut prendre des résolutions et puis il faut grandir. Je ne suis pas éloquente, mais je sais chercher mon argent. Tranquille. Donc si j'ai eu à blesser Emmanuela ou bien blesser qui que ce soit, oh, ma soeur, ne te rabaisse pas dans la poussière à cause des papatos. Avance. Tu as créé ton buzz. Avance dans ton buzz. Mais que ça te renumère de l'argent. Point. Moi, je suis dans mon buzz. Ça me renumère de l'argent. Je suis une femme épanouie. Je peux tout m'offrir. Mais souvent, je dis, mais est-ce que c'est important? Tu sais, aujourd'hui, le matériel que nous avons, nous allons laisser ça et puis partir demain. Le plus bon investissement, c'est de construire. C'est les briques. Tranquille. Moi, je peux me permettre tout. Tranquille. Je peux tout m'acheter. Mais est-ce que c'est utile? Je me promène, hein, mes flocons. Ceux qui connaissent, voilà. Maman. Michael Kors. Tranquille. Mon sac pour aller livrer mes trucs. Mais le matériel importe au peu. Ne nous basons pas sur le matériel. Parce que vanité des vanités, tout est vanité, ce n'est rien. Je peux m'habiller aujourd'hui à tel pour dire, oh oui, voilà comment je suis. Mais je ne suis pas ce genre de femme parce que je suis une mère. Tout ce que je gagne, c'est pour mes enfants. Je ne suis pas sur la toile pour une concurrence aucune. Moi-même, je ne suis pas jolie, même. C'est l'argent qui m'a rendu un peu jolie. On dit, l'eau lave, l'argent rend propre. Avant, mais j'étais tellement vilaine qu'on me comparait à un âne. C'est l'argent qui m'a rendu un peu jolie comme ça que tu vois là. Donc, on parle de beauté là. Enlevez-moi dans les Miss Monde. Je suis très laide, maman. C'est l'argent qui m'a rendu un peu présentable comme ça. Puis, je viens vous parler. Si la beauté pouvait construire maison, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient construit des immeubles. Mais non. C'est l'argent gagné à la sueur du front qui pourra t'amener loin demain, qui pourra te différencier des autres. On peut tout dire de Lolo Beauté. On peut tout dire, Lolo Beauté a fait ceci, Lolo Beauté a fait cela. Mais on ne peut jamais dire de Lolo Beauté, c'est une fainéante. On ne peut jamais dire de Lolo Beauté, c'est quelqu'un qui relâche. Si je paye un billet d'avion, maman, il n'y a pas 5 francs d'un garçon. Ici en France, je dors dans ma propre maison. Le bail qui porte mon propre nom. La boîte aux lettres qui porte Louise Makosso. Et en bas, Lolo Beauté Sainte, le nom de mon entreprise. La voiture où je roule, ce n'est pas garçon qui a payé. C'est mon propre agent. Maman,
avec toute la vie en rose que j'ai, d'aller encore insulter quelqu'un. La personne m'a fait quoi? Tranquille. Avançons sereinement. Vous qui aimez rentrer dans les jeans box, j'ai vu une vieille fille envoyer une vidéo sur ma... Vous savez, quand vous m'envoyez des vidéos, je ne clique jamais sur une vidéo pour regarder une vidéo. Parce que je sais qu'il y a des multitudes de personnes qui parlent mal de moi. Donc quand vous m'envoyez une vidéo en WhatsApp, en Messenger, je ne clique pas dessus. J'efface parce que je n'ai pas le temps. Le temps que je vais prendre pour lire une vidéo, ce temps-là, je peux me coucher et dire, à part la vente de produits cosmétiques, à part mes agences Western Union, Moneygram, RIA, à part les ventes de mes voitures, qu'est-ce que je peux faire, maman? C'est de ce genre de femmes qu'on a besoin. Et non des femmes qui vont venir se grapper les chions. Oui, toi là, je connais ta vie. Tu as ramassé tes 3 enfants pour aller vivre chez ton ex-mari. Tu as fait 1 enfant et lui. Non, pourquoi tu as ramassé les autres pour aller vivre avec lui? Tu n'as pas de propre maison. Tu te bavanes sur les réseaux sociaux là. Oh, tu n'as même pas une maison ici en France. Mais je vais le faire pourquoi? Au contraire, je dois encourager mes soeurs à se battre et avancer. Vous savez, quand quelqu'un clash Lolo Beauté là, il y a beaucoup de personnes qui viennent. On connaît sa vie, hein. Lolo, voilà le nom de où elle vit. Voilà l'adresse. Mais ça va servir à quoi? Il y a des personnes qui m'ont appelé Lolo. Je suis prête même à dire ceci. J'ai dit, mais tu vas le dire pourquoi? Sa vie ne t'intéresse pas. Tant qu'elle mange, elle dort, elle boit, elle vit sa vie. Mais laisse cette personne en paix. Vous avez quoi à toujours venir dire, je connais ta vie? Ma soeur, au lieu de prendre ton temps à dire, je connais ta vie. Et toi, ta vie, tu penses à ta vie? Tu penses à l'évolution de ta vie? Mais pense à un moment à l'évolution de ta vie. Pense à comment réussir. Pense à comment devenir quelqu'un. Les vieilles personnes qui ont déjà raté leur vie, tu ne peux pas les suivre dans l'échec total de leur vie. Moi, je vous ai dit, j'ai 35 ans, maman. Je ne cache pas mon âge. Même si je parais vieille, c'est parce que je pense beaucoup et j'ai trop de charges. Oui. Il y a d'autres qui vont me donner 40 ans, il y a d'autres qui vont me donner 45 ans. Je l'assume parce que j'ai beaucoup de charges. Je m'occupe de beaucoup de familles, de mes frères, de mes soeurs. Je suis maman de plusieurs personnes. Oui, j'ai 5 enfants, je dois m'en occuper. Je dois assurer leur avenir pour ne pas que demain, quelqu'un puisse trouver mon enfant en face de lui et lui dire, tu es l'enfant de Lolo Beauté. Mais je pense que mes enfants seront tellement fiers parce que je connais ma première fille. Elle a une classe, non, tellement, elle sait tellement répondre aux gens. Quand on lui dit oui, tu es la fille de Lolo Beauté, elle dit oui, je suis la fille de Lolo Beauté. Je fréquente dans les meilleures écoles. Je voyage quand je veux. Oui, ma mère est une star. Je suis la fille de Lolo Beauté. Tu peux dire encore quelque chose, maman? Tu pensais que si j'étais une femme qui venait sur les réseaux sociaux et qui cherchait les gars, les garçons pour m'entretenir, que ma fille allait avoir le courage de regarder ses amis? Moi, quand je rentre dans l'internat de mes enfants, maman, les gens crient, les petites filles là, Lolo Beauté, maman, des jeunes enfants comme cela, à cause d'eux, je dois changer ma ligne de conduite. À cause d'eux, je dois diminuer. Vous savez, dans la vie, l'orgueil, moi je suis ceci. Oui, ah oui, ah oui, je suis comme cela. Ah oui, ça n'aboutit à rien, ça ne remplit pas compte en banque. Moi, j'aime les défis où on dit, j'ai ça. Toi, tu as quoi? J'ai maison. Montre-moi tes maisons. J'aime les concurrences d'impacteuses qui réalisent. Mais non, des concurrences de moi, j'ai ça. Toi, tu as quoi? Moi, j'ai ça. Non, ce n'est rien ça. Rien. Notre corps là, on est fait de sable, de poussière. Quand on va mourir là, c'est les asticots qui vont venir manger nos cons. Le sexe qui est en bas de toi, et puis tu fais malin dessus là. Ou bien la beauté physique qui est en face de toi. Oh oui, moi je suis belle. Oh, regardez Lolo Beauté, je suis une star. Regardez la fossette, maman. Je suis belle, je sais que je suis belle. Non, j'ai tous les artifices qu'un homme recherche. Ah oui, je suis une belle femme parce que j'ai fait 5 enfants, maman. Regarde mes seins. Mes seins sont toujours pointus. Je suis une belle femme parce que je roule dans les belles voitures. Je suis une belle femme parce que je ne marche pas avec les sacs de 5 euros. Je marche avec les sacs qui ont un nom. Moi, Lolo Beauté, je marche avec les sacs qui parlent en langue tranquille. Je roule dans les voitures, maman, en cuir. L'intérieur est en cuir. Je ne roule pas dans la camelote, maman.
Je peux le faire, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Nous allons tous mourir. Regarde un peu à côté. Dans ta famille, les personnes qui sont mortes. Moi, j'ai perdu ma belle-sœur. Quand j'ai regardé, dit au moment où tu devais manger, au moment où ton mari maintenant allait commencer à compter les milliards où tu devais manger, le Seigneur t'a repris. Donc, pour dire que demain, nous tous, nous allons mourir. La beauté physique que tu as là, tu sais qui va venir manger. Ton sexe que tu as en bas de toi, tu dis je suis belle. La forme que tu as, hein, tous les artifices que tu as mis sur toi, tu sais qui va manger. C'est les asticots, maman. C'est les asticots qui vont venir manger. Qui vont venir manger ton corps comme si tu n'as aucune valeur. Ils vont te montrer que tout le boucan que tu faisais là, c'est nous qui avons le dernier mot, maman. Donc pourquoi tant de mal? Vous pensez que j'allais venir? Wow, tu es vilaine, tu es ceci, ta mère, tu sais, c'est quoi tout cette ça là? Ça, c'était la Lolo d'avant. La Lolo d'aujourd'hui, c'est une chef d'entreprise, maman. Je suis en France, je suis assise dans ma propre voiture en train de parler, maman. Tu viens de parler à quoi? J'ai deux voitures en France ici. Une voiture pour me déposer à l'aéroport lorsque je voyage. Et une autre petite voiture pour faire mes courses, maman. Qu'est-ce que j'ai à envier à quelqu'un? Au contraire, j'ai venu te dire, crée-toi une société. La France me reconnaît parce que j'ai une société. Je n'ai pas venu traîner dans la boue. Mon gestionnaire de ma banque, il a mon Facebook. Tranquille. Mon comptable a mon Facebook. Il va dire, mais attends, avec tout le chiffre d'affaires qu'elle a là, elle va venir encore traîner encore dans la boue. Ça te sert à quoi? Quand tu as l'argent, tu ne transpires pas, maman. Quand tu as l'argent, tu ne transpires pas, maman. Quand tu as l'argent, tu aides ton prochain. Quand tu as l'argent, tu aides ta famille. Quand tu as l'argent, tu vis bien. Et sans donner, voilà, raison à d'autres parties. Tranquille. Donc, vous qui rentrez dans mon inbox, Lolo, on t'a clashé sur ta compte, t'as fait, j'ai envie de vous dire une chose. Allez-y vous faire foutre. Et allez-y travailler. Comme nous, là. Allez-y travailler. Moi, je n'ai pas le temps. Ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de direct. Posez-vous la question que Lolo qui aime Facebook comme ça, ça fait 3 jours. Elle ne vient pas parler sur les réseaux sociaux, maman. J'ai une entreprise à faire tourner. Et pas des moindres. J'ai pas le temps. Tranquille. Donc, les fanatiques de Lolo Beauté, vous qui m'avez donné des conseils, ne pensez pas que vos conseils sont rentrés dans la bouche ou bien dans les oreilles d'une fille têtue. Non, non, non. Vos conseils sont bien rentrés dans mes oreilles. Tranquillement, tranquille. Donc, je le redis et je le redis encore. Si j'ai offensé quelqu'un, je vous présente mes excuses. Mais je vous le dis, je viendrai toujours vous offenser pour que vous réussissiez dans la vie. Parce que de la manière je suis épanouie, je suis bien. Regardez comment j'ai grossi, maman. Regardez, à force de ne plus crier, maman. Regardez Lolo Beauté. Comment j'ai grossi, j'ai pris du poids, maman. Vous voulez que je perde du poids, maman? Regardez comment je suis à l'aise. Et si je ne touche pas le cuir, même pas la langue derrière moi, maman. Je vais venir transpirer, pourquoi, maman? Je vais voir mes soeurs être comme moi. Je vais voir mes soeurs se battre. Et puis pour dire, je suis l'exemple de Lolo Beauté. Je suis devenu quelqu'un aujourd'hui grâce à mon travail post-publicitaire. Jackie, non, comment vas-tu? Ma copine Jackie. Voilà, pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 1227. Pour celles qui veulent avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Donc, ne nous prenons pas trop la tête tout à l'heure là. Je monte chez moi comme ça. Maman, je m'en vais soulever une vingtaine de gammes. Moi, ma gamme là, une gamme fait 3 kilos. Imaginez 20 gammes que je vais soulever. Je ne vais pas à la voiture à la poste. Je vais à mon caddie, maman. Je vais aller faire sortir mon caddie tout à l'heure. Je tire mon caddie comme ça, dans plein Paris. Je m'en vais poster. Maman, une femme qui n'a honte de rien, qui assume ce qu'elle fait, qui lutte pour réussir. Tu me vois venir offenser des personnes et puis sans venir demander pardon. Offenser. Yé, Yaki, pardon. Je n'ai pas la force de me battre. J'ai la force de chercher l'argent. C'est tout mon travail. Donc, il y a le portable qui crépite. Je sais que les clientes ont envie de commander. Maman, une note sur 10 sur le thème de Lolo Beauté. Ya, maman.
Yeah, maman. La femme qui achève l'été, maman. Tranquillement, tranquille. Non, soyez heureux. Moi, quand je vois quelqu'un heureux, je suis content. Mais quand je vois quelqu'un venir dire, Lolo, tu m'as blessé, tu m'as fait ceci. Sachez une seule chose. Toutes les personnes qui viendront insulter Lolo Beauté, qui diront que Lolo Beauté, tu m'as fait ça, m'insulter là. J'ai venu te demander pardon. Si je sais que je t'ai offensé, j'ai venu te demander pardon. Si le pardon là, hé, ma chère, c'est payant là. Je n'avais pas venu demander pardon. C'est gratuit. Donc, pardonnons-nous vivants. Tranquille. C'est pas sur le nom de Lolo Beauté là, vous allez augmenter vos j'aime. Pardonnez. Là où je suis là, laissez-moi vendre mes pommades, maman. Laissez-moi vendre mes pommades. Et on voit mon ventre. Laissez-moi vendre mes pommades. Je suis une pauvre mère de 5 enfants. Maman, de pères différents. D'où mes enfants sont plus heureux que vous-même qui parlez de mes enfants, maman. Mes enfants sont couchés encore dans les chambres, maman. Les nounous sont en train de s'occuper d'elles, maman. Une femme ici en France, en plein confinement, elle dépêche une nounou pour dire, venez vous occuper d'elle. Vous pensez que ses enfants ont le même problème avec les enfants nés d'un mariage? Yeah, maman. C'est l'avenir qui nous dira la suite. Quand tu n'as pas encore traversé le feu, là, faut pas venir dire des choses que tu ne maîtrises pas, maman. Quand tu en clashes avec quelqu'un, moi tu as envie d'insulter quelqu'un et que tu as déjà porté 9 mois de grossesse, ne te rabaisse pas parce que la classe, c'est de ne pas insulter un enfant, de ne pas mépriser un enfant, de ne pas acculer un enfant. La classe, c'est d'affronter ton adversaire vis-à-vis sans passer par les enfants. Moi, une fois que tu passes par les enfants, oui, je ne te calcule plus parce que je me dis que ce que je voyais en toi, en fait, ce n'est pas ce que je vois. On ne rentre pas en clash avec des enfants, c'est des bébés. On rentre en clash avec la mère. Les enfants ne sont pas responsables des erreurs des parents. Lolo, tu m'as fait ceci, c'est à toi j'ai fait. Les enfants, faut quoi avoir? C'est une bassesse. Les enfants, c'est un don de Dieu. Il y a des folles. Il y a des folles qui se promènent et qui font des enfants. Hein? Quand on ne connaît pas quelque chose, on vient demander. Lolo Beauté a fait son premier mariage légal, a fait 14 ans de vie commune. Elle a fait 3 enfants. Elle a laissé, elle a jeté le monsieur. Elle est devenue quelqu'un. Elle a repris un autre monsieur. Il a fait sa dot. En Afrique, c'est la dot, nous on connaît. C'est un mariage aussi. Et elle a fait 5 jumelles. Donc quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Clashons-nous vivants et laissons les enfants. Voilà, tranquillement, tranquille. Sinon, les enfants de Lolo Beauté, on ne les voit pas comme ça. Ouais, mes enfants traînaient comme ça, on ne les voit pas comme ça. C'est des princesses, maman. Une mère qui a tout accompli pour ses enfants, maman. Moi, je ne ramasse pas mes enfants. Aller dormir chez camarades, aller dormir et puis je cherche maison. Mes enfants dorment dans leur propre maison. Elles ont leur propre nounou. Elles ont leur propre billet d'avion pour voyager, maman. Quoi de plus à demander à Dieu que la santé de mes enfants? Sans la santé, on ne peut rien faire. Que mes enfants soient en bonne santé. Et puis on avance. Que mes détracteurs aussi soient en bonne santé. Et on va avancer. Si je t'ai offensé, maman, il y a qui oh? Mon nom, il faut déposer ça tout près là. J'ai une entreprise à faire tourner. Tranquille. Regardez, les gens sont enfermés chez eux. Moi, je suis dans voiture puis je fais vidéo. Je m'en vais encore travailler. Il y a qui? Tranquille. Je vous aime. Tout ça, c'est le buzz. Mettez tout ça sur le compte du buzz. Vous dites le nom de Lolo Beauté seulement, yeah, Lolo Beauté va venir insulter, c'est le buzz, maman. Sinon, en réalité, les personnes là même, je les aime. Sinon, c'est le buzz. Tranquille, laissez tout ce qui se dit là. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de se lever, aller travailler et faire rentrer des milliers d'euros, des milliers de CFA dans son compte en banque. C'est tout ce qu'on demande. Moi, je ne suis plus dans la saleté des Africains. Oh oui, il y a clash. On sent clash, moi. Le jour où vous me voyez dans clash encore, désabonnez-vous tous de ma page. Parce que je ne ferai pas ce plaisir à des personnes qui ne peuvent pas me rapporter de l'argent dans mon compte en banque. Avançons sereinement. Il y a trop pris de l'ampleur. Big up, et puis je vous dis, abonnez-vous à la page de Paparazzi. Voilà. Paparazzi, 2 ZI à la fin. Tranquillement, tranquille. Elle véhicule toutes les informations sur les réseaux sociaux. Donc, tranquillement, tranquille, je vous aime. J'ai même pas envie de vous laisser.
J'ai même pas envie de vous laisser. Ouh, je dois partir travailler. Il est quelle heure? Je dois partir travailler. Ouh, lolo. Un direct qui est doux comme ça, maman. Un direct qui est doux comme ça. Ya, maman. Tranquille. Mais le travail m'appelle. Tranquillement, tranquille. Je vous aime. Je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous accorde toute l'élévation dont vous méritez. Tranquillement, tranquille. Bisous. Ciao.